Au début du XXe siècle, de nombreuses usines s'installent dans la partie basse de l'avenue Baudin. Parmi les nombreux logements édifiés, cet ensemble est composé de 4 immeubles similaires et d'une villa. Les immeubles, remarquables par leur symétrie, affichent une grande cohérence architecturale comme le montrent les façades, toutes ornées de décors en céramique, telles une frise en damier et des cabochons. Chaque élément en relief est inséré dans un cartouche blanc en forme de losange. Sur un fond orangé cerné de bleu, une feuille de chardon, élément symbolisant l'austérité et la vertu, est enroulée autour d'un clou.